Amis téléspectateurs, téléspectatrices, télévision nationale d'Haïti, c'est avec un pile plaisir nous rentrer la carte aujourd'hui pour nous présenter l'émission Parola, rédaction. La Praplo, rédaction, c'est une émission qui réalisait nos objectifs pour permettre ou même à même discuter, analyser l'actualité politique, sociale et économique pays d'Haïti. Et aujourd'hui, j'en ai toujours fait, nous allons analyser ensemble le discours président de la République, Michel-Joseph Martelly, t'es fait dans l'occasion d'ouverture session ordinaire Assemblée nationale là, deuxième lundi mois janvier, selon recommandation article 151 Constitution. Ensemble, nous pourrons regarder qui avance, qui fait et garder ensemble qui ça qui était pour fête pendant l'année 2014 là. N'abtenez. Président de la République, là, Michel-Joseph Martelly, dans le discours qu'il a prononcé dans l'occasion de la session ordinaire Assemblée générale, là, renouveler l'autre fois encore volonté pour poursuivre le dialogue, yo, pour assurer la cohésion entre pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, et une façon pour permettre l'État remplir mission, j'en ça de fait. Chef de l'État a parlé de différents progrès qui fait dans différents domaines, tant qu'infrastructure, énergie, éducation, santé et investissement. Chef l'État fait nous connaître que perspective pour l'année 2014 là en pile et perspective rassurant dans la mesure où gain entente qui rive joindre rapide pour voter un nouveau budget pour l'année 2014 là. On suit ensemble. C'est toujours un honneur de me présenter par devant cette auguste assemblée pour délivrer conformément aux vœux de l'article 151 de la Constitution mon message à la nation et saluer l'une des expressions de notre démocratie, la rentrée parlementaire. À travers vous, honorables parlementaires, j'ai l'occasion de partager avec la nation mon évaluation sur les avancées réalisées par l'État haïtien et les perspectives pour l'année à venir. C'est en su ma vision et mes ambitions pour notre pays. C'est la seule occasion qui m'est véritablement offerte de m'adresser directement et publiquement à l'ensemble des parlementaires. En ce moment privilégié, je renouvelle une fois de plus ma volonté de poursuivre le dialogue, d'assurer la cohésion entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire, afin que l'appareil d'État se mette à la hauteur de sa mission. Je souhaite du plus profond de mon cœur que cette année, au cours de laquelle nous célébrons le 210e anniversaire de l'indépendance nationale, soit l'année de l'unité retrouvée. Mon rêve pour Haïti est celui d'un pays fort, d'un peuple unis et solidaires, d'une nation souveraine, soucieuse d'affirmer son identité et décidée à se forger un destin différent et meilleur. Pour le réaliser, aucune alternative n'existe à l'unité de notre nation. Fort de cette certitude, je ne conçois pas d'autre approche dans la conduite de la BAC nationale qu'une coopération intelligente et constructive entre les pouvoirs. Honorables parlementaires, mesdames, messieurs, l'œuvre de reconstruction nationale est une entreprise de longue haleine, parsemée d'impondérables. Mais au prix d'un effort commun, la réalité finira par rattraper le rêve. Haïti se porte mieux aujourd'hui. Oui, Haïti se porte mieux. Même si la bataille doit continuer avec beaucoup plus d'ardeur. Et c'est unis que nous allons devoir la mener, cette bataille, pour apporter les réponses nécessaires aux problèmes de la population.
Durant l'année 2013, j'ai gardé le cap sur le dialogue constructif, l'édification de l'état de droit, les politiques qui soulagent la population de la misère et de l'ignorance, tout en veillant à ce que soient exécutés des projets favorisant une relance économique porteuse de croissance, d'emploi et de développement durable. Le Premier ministre vient de vous entretenir sur les réalisations du gouvernement qui correspondent aux objectifs que j'avais fixés lors de mon accession à la présidence et aux engagements pris lors de ma dernière intervention devant cette Assemblée. Des progrès importants ont été accomplis dans de nombreux domaines, notamment infrastructures, énergie renouvelable, éducation, tourisme, santé, investissement privé, gouvernance. Les perspectives pour 2014 sont rassurantes dans la mesure où une entente pourra être rapidement obtenue sur un nouveau budget. Président Martelly rappelait, éducation c'est un axe priorité administration. Dans ce sens, il est engagé pour faire des efforts pendant l'année 2014 là pour moderniser le secteur ça. Dans ce sens, les mandats parlementaires ont voté 6 projets de loi qui sont déjà déposés dans le Parlement. Les mandats puis ont voté loi sur fonctionnement Fonds national d'éducation, loi sur validation expérience professionnelle, sur modernisation enseignement à clôt encore. On suit ça, l'a dit sur ça. L'éducation restera la priorité de mon administration pour l'année 2014. Tout sera fait pour valoriser les écoles nationales afin de doter le territoire d'écoles qui font honneur à la République. Avec plus de 14% du budget national consacré à l'éducation, le gouvernement continuera avec les grands chantiers éducatifs tels la réforme de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, la consolidation de la formation au métier en milieu scolaire, la poursuite avec la formation des maîtres, le renforcement et la consolidation du programme de scolarisation universelle, gratuite et obligatoire, le PSUGO, et la réforme des examens d'État. La formation continue des enseignants et des enseignantes se poursuivra. Le dispositif de certification du personnel enseignant sera renforcé. Le chantier de la petite enfance continuera. Le gouvernement avancera avec la construction et l'équipement des centres de formation professionnelle et d'enseignement technique. L'administration centrale et les directions départementales de l'éducation à travers le territoire seront renforcées et la condition enseignante trouvera la plus grande attention du gouvernement cette année. Au niveau de l'enseignement supérieur, mon administration va donner une nouvelle impulsion en révisant les stratégies vieilles de 53 ans afin d'offrir à la jeunesse la possibilité de réaliser leurs études universitaires dans le pays. Ainsi, honorables parlementaires, je vous demande de voter les 6 projets de loi déjà déposés au Parlement pour moderniser le secteur de l'éducation. Il s'agit du projet de loi portant création, organisation et fonctionnement du Fonds national pour l'éducation, le FNE, le projet de loi portant reconnaissance et validation des acquis de l'expérience professionnelle, le projet de loi cadre portant organisation des professions et des métiers, le projet de loi portant organisation, fonctionnement et modernisation de l'enseignement supérieur, le projet de loi portant organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le projet de loi établissant le service social obligatoire pour les étudiants ayant bénéficié du financement public. Mettez sous projet ça, yo, président Martelly rappelait qu'il y a 3 axes dans le cas d'action exécutif là qui méritait un regard particulier.
pour nous parler de état de droit, élection, diplomatie. Il est évident que chaque monde jodi a d'accord avec consolidation, démocratie, sécurité et paix sociale là, bay Haïti en meilleure représentation sous échelle internationale là. Président Martelly mandé pour nous porter regard sur ça et promet pour continuer travail sous chemin ça. Ensuite, l'état de droit s'impose aujourd'hui dans notre pays. La baisse palpable de l'insécurité en témoigne. Et ce n'est certainement pas l'effet du hasard si le département de la défense des États-Unis vient de déclarer qu'Haïti n'est plus un danger imminent. Par la consolidation de la démocratie, de la sécurité et de la paix sociale, Haïti a stoppé sa chute dans les classements internationaux. Le renforcement de mécanismes institutionnels, juridiques et légaux nécessaires au respect des droits humains, la crédibilité des institutions politiques et la bonne gouvernance ont permis aux observateurs les plus avisés de reconnaître qu'Haïti chemine sur la voie du progrès. Et ceci irréversiblement. Pendant l'année 2014, là, président Martelly dit une stratégie capable d'opter pour consolider acquis démocratique et puis renforcer l'appareil judiciaire pour permettre de servir plus bien la population. Ça, qui rentre dans le cadre de promesses qu'il fait pour engager, pour renforcer l'institution. En 2014, toute une stratégie sera mise en branle pour consolider notre appareil judiciaire. Des mesures seront adoptées afin de réduire les pesanteurs institutionnelles qui entravent la justice. Mon administration fera tout pour consolider les acquis démocratiques du peuple haïtien. Président républicain Michel-Joseph Martelly a ajouté un sixième E qui c'est élection parmi cinq axes prioritaires administration li, qui c'est éducation, énergie, état des droits, environnement. Chef l'État prend engagement pour réaliser l'élection yo Anessa, contrairement à ça qui te fait quoi que président Martelly te gain intention dirigé par décret. Chef l'État engagé pour l'année 2014 là pour réaliser l'élection yo selon recommandation constitution haïtienne. Nous avons ajouté un nouveau E aux cinq priorités qui constituent la plateforme de l'équipe que je dirige. Le E des élections. Cette année, des élections seront organisées. En effet, le renouvellement du personnel politique des collectivités territoriales, de la Chambre des députés et des deux tiers du Sénat est un impératif. Le dialogue politique lancé avec la médiation de la Conférence épiscopale d'Haïti participe de notre volonté de dégager, avec les acteurs clés que sont les partis politiques, un consensus minimal sur les conditions d'organisation de compétitions électorales transparentes et crédibles. Ma volonté en ce sens est de faciliter la mise en place de conditions favorables à l'organisation d'élections inclusives, honnêtes et sincères pour installer à tous les échelons de l'appareil de l'État des élus bénéficiant de la confiance des citoyens et citoyennes. La réussite de cette entreprise est une condition nécessaire pour assurer la stabilité politique et le développement économique de notre pays, qui sont des priorités incontournables de mes engagements. Dans le discours prononcé, chef l'État a pris engagement pour continuer le travail, pour renforcer et puis professionnaliser la police nationale là, et puis créer une force nationale qui doit assurer protection territoire là, et sécuriser frontières dans le pays là, pour porter réponse à problème sécurité nationale là. Nous sommes conscients qu'il est grand temps que nous, Haïtiens, assurons l'intégrité de notre territoire.
Ainsi donc, nous continuons à travailler au renforcement et à la professionnalisation de la PNH, à la création d'une nouvelle force nationale devant assurer la protection du territoire et la sécurité de nos frontières. Nous allons consulter toutes les forces vives de la nation dans l'optique du rétablissement définitif des forces de défense nationale. La question de l'avenir de la MINUSTAH en Haïti pourra se poser de façon responsable. Ces éléments de l'action de l'exécutif ne sont bien entendu que des illustrations des efforts constants visant à assurer, à moyen terme, un réel mieux-être pour chaque Haïtien et chaque Haïtienne. Jodi a, li pa un secret pour personne. Haïti, par rapport avec un pile j'efforts qu'a fait, a tracé chemin pour occuper une place de choix dans le monde international. Jodi a, chef d'État a rappelé nécessité pour nous unir, pour nous mettre tête ensemble, pour nous faciliter plus développement et plus investissement qui rejoignent et fait dans le pays. Nous avons remporté des victoires importantes au niveau de la diplomatie. Certes, la situation sur le plan international est porteuse de nombreux défis pour la République d'Haïti. Seul un peuple uni et des dirigeants soudés autour des intérêts supérieurs de la nation peuvent être à même de les relever. Depuis mon accession au pouvoir, j'ai entrepris de briser l'isolement de notre pays sur la scène internationale en occupant la place qui nous revient dans le concert des nations. Notre diplomatie a déployé tous les efforts et mis toutes les ressources à sa disposition pour se placer à la dimension de notre histoire de peuple forgeur de liberté et porteur d'humanité. Je me réjouis des bonnes relations développées avec les pays membres de la CARICOM, les institutions multilatérales, les pays amis de l'Amérique du Nord, de l'Amérique latine et de l'Europe, les traditionnels pays amis de l'Asie et les pays africains avec lesquels nous comptons nous rapprocher encore plus. Nous allons continuer à explorer en 2014 de nouvelles pistes de coopération et raffermir nos liens. Avec la République dominicaine, le dialogue se poursuit. Beaucoup de gens se sont posé des questions sur notre stratégie. Cela est amplement dû au fait que notre diplomatie avec la République voisine est empreinte de discrétion, sans émotion, sans impatience, en raison de la forte interconnexion de nos deux sociétés. Président République là, Michel-Joseph Martelly, prend engagement pour améliorer conditions vie population. Il plaide en faveur participation tous citoyens pour continuer à lutter pour ça. Il demande pour mettre à côté toute divergence, toute différence nos cagayens. Pour notre travail, dans l'intérêt pays nous. Persuadé de la justesse du combat que je mène pour un changement positif de la vie de chaque citoyen et citoyenne de mon pays, il a pu se développer certaines incompréhensions et conflits avec ceux qui ne partagent pas les mêmes vues. Il est grand temps que le message d'union transmis par les fondateurs de la nation soit réellement mis en pratique pour affronter les défis qui diminuent notre capacité à sortir de la précarité et de la dépendance humiliante face à nos besoins les plus primaires. Pour ma part, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorable parlementaire, je m'engage à faciliter des avancées concrètes, rapides et visibles vers cet ultime objectif.
Il y va de l'avenir de la démocratie en Haïti. Il y va de la survie de notre nation. Il y va de notre crédibilité sur la scène internationale. Et surtout, il y va de la capacité de répondre de façon continue et responsable aux légitimes desiderata de l'immense majorité d'une population fatiguée par nos luttes intestines et souvent vide de sens. L'indignation unanime de la société haïtienne, associée à la détermination des autorités face à la négation des droits acquis de certains citoyens étrangers d'ascendance haïtienne, est un récent exemple des défis que nous pouvons, que nous devons relever ensemble. L'avenir et les perspectives pour Haïti sont ce que nous en ferons ensemble. Ils seront prometteurs dans la mesure où nous acceptons, au-delà de nos divergences et de nos différences, de nous asseoir à la table du dialogue et de la construction partagée d'une Haïti plus forte, plus juste, plus prospère et enfin porteuse d'espoir pour notre jeunesse. Ils seront dévastateurs si nous laissons une fois de plus les démons de la division, de la violence et du désordre envahir nos cœurs et nos esprits. J'ai pour ma part déjà choisi et je suis prêt à faire tous les efforts pour le plus grand bien de notre chère Haïti commune. Voilà, c'est avec plaisir que nous t'es rentré la carreau aujourd'hui pour nous te présenter émission par la rédaction. Nous souhaitons analyser ensemble différents points dans quatre discours président Martelly t'est présenté, t'est prononcé dans l'occasion de l'ouverture de session ordinaire Assemblée générale. Au revoir.